Bonjour, aujourd'hui je vais changer l'antenne de la Toyota Auris contre une antenne requin. Voilà l'antenne requin. Le scotch et le mode d'emploi. Voilà, tout est là. Donc, on va enlever l'antenne. Tenter de brancher le fil. Faire un essai radio avant de monter tout ça. Et là, surprise, il y a un jour. Donc, en plus, il va falloir limer un petit peu. Bon, ben écoute, allons-y. Donc voilà la vis de l'antenne. Ici, ce qui est sur le dévissé, je vais reprendre après. Donc j'ai enlevé l'écrou pour tester l'écrou. Se vise bien ici, donc on peut brancher l'antenne directement avec ça et faire un test. Je pense que je vais mettre du stop filet pour que ça tienne, que ça se défasse pas en route. Maintenant, test de l'antenne. Alors, contact. Voilà, la radio fonctionne. Avec un poème triste sur l'esprit. Et les députés étaient pris en otage par. Et prompt à la querelle. Institution, des institutions. Bon, on va pas forcément toutes les chaînes ici. Bon, ben ça marche. Donc maintenant, le souci, c'est cet espace qu'il va falloir attraper. Donc je vais passer à la meule automatique. Et puis on va bien voir. On va y arriver. Ça, c'était la surprise. Bon, apparemment, il faut que j'aille un petit peu plus fort. Hein, si je veux que ça fasse quelque chose, je vais y aller gaiement. Bon, voilà, après avoir frotté un peu, je pense qu'on a approché le. On a approché à toucher tout. L'avant va être plus fin. L'arrière un peu aussi. Ce sera plus aérodynamique. Bon, maintenant, on va coller ça sur l'antenne. Après avoir ébarbé un petit peu. Alors je suppose que vu que le blanc se défait plus facilement, on va coller le blanc d'abord. C'est un double face classique de toute manière à mon avis. Voilà. Voilà, il est collé. Maintenant un petit coup de lavage tout autour là. Alors, le rouge est assez difficile à enlever, j'ai dû y aller doucement avec un. Avec ça quoi, cutter. Disons. Pas évident, hein.
Ah bon, je vais y arriver. Alors, on va finir d'enlever ça. Vraiment pas gentil celui-là. Le plastique là que je dois enlever. Ouais. Oh, c'est la chaise qui bouge. Ah, non, on va y arriver. Ça y est, c'est bien. C'est vraiment le début, quoi. Il faut. Hop. Là, on n'a plus besoin. Donc, j'ai fait un tracé. Est-ce que je vais tenir le coup jusqu'au bout? Là, au milieu. Mesurer. Ça va tenir 48,5 un peu plus. Je vais faire le milieu, ce sera mieux. C'est presque 52. Et là, je serre. Voilà, c'est pas mal, ça fait joli. Le chiffon, voilà. Et voilà le montage de l'antenne requin sur la Toyota Auris. Pendant que j'y suis, je vais changer celle de la Mazda, voilà, Mazda 323F. Je me suis aidé d'une corde pour tracer l'axe, pour être bien dans l'axe. Et puis des mesures avec le mètre, bien sûr. Là, je mets le stop filet comme pour l'autre. Un petit peu, pas la peine de. À visser. Et voilà une 323F Mazda avec une antenne requin. De même une Toyota Auris. Là, elle travaille.